Bonsoir à tous mes abonnés, une fois encore de plus je vous dis merci. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce que modifier les informations d'une photo qui a été prise avec un portable Android ou falsifier ces informations à votre guise. Donc c'est très simple, je vais vous montrer une photo et vous montrer les informations concernant cette photo. Je vais cliquer dans galerie et je vais choisir la photo que je veux. Je vais prendre la première photo et nous allons vérifier les détails de la photo. Vous voyez les informations. Voici les informations concernant la photo. Tout ce qui concerne la photo. Maintenant, ce qui va m'intéresser un peu pour aller plus rapidement, c'est regarder ici où vous voyez auteur, regardez. L'auteur juste en haut, ami Itel, le modèle ami Itel IT1508 et flash, ami flash désactivé. Donc, vous aurez la possibilité de modifier toutes ces informations à votre guise, c'est-à-dire que modifier les informations que vous voulez. Donc, n'oubliez pas le nom de l'auteur Itel et le modèle Itel IT1508. Donc maintenant, si je veux modifier les informations de cette photo, pour ne pas que quelqu'un sache avec quel portable Android j'ai pris cette photo, ou bien pour éviter que les gens sachent avec quel portable Android que j'ai pris cette photo, c'est très simple. Nous allons télécharger l'application Photo Excessive Editor. Je vais cliquer là-dessus comme cela. Lorsque l'application est ouverte, vous allez cliquer dans Photo. Cliquez dans Photo. Et vous cliquez sur Galerie. Et si ça dépend de vous, je vais cliquer toujours. Et je vais choisir la photo que j'ai décidé de modifier les informations. Je vais cliquer là-dessus comme cela. Vous voyez, dès lors que l'application se retrouve, la photo se retrouve dans cette application, vous pouvez voir tout ce qui concerne les informations également de la photo. Maintenant, c'est à vous maintenant de modifier les informations que vous voulez. Toutes ces informations que vous voyez là ont la possibilité d'être modifiées. Moi, peut-être, je vais choisir de modifier fabricant de l'appareil photo et le modèle de l'appareil. Donc, je vais cliquer ici. Au lieu de Itel, peut-être, je vais mettre Nokia. Je vais mettre Nokia. Souvenez-vous que l'auteur, le réel fabricant est Itel. Et maintenant, okay, je vais cliquer sur OK. Je viens d'un modèle. Je vais supprimer. Je vais cliquer Nokia, peut-être Nokia. Nokia 02. Et je vais cliquer sur OK. Maintenant, je vais cliquer sur le disque là, juste en haut, pour pouvoir enregistrer les modifications. Donc, je clique sur Enregistrer. Dès lors que les données sont enregistrées, je vais aller encore dans Galerie pour voir si réellement les informations de la photo ont été modifiées. Donc je vais cliquer ici. Cliquer ici la photo. Encore. Et nous allons vérifier les informations de la photo. Cliquez ici. Vous voyez. Comme vous pouvez le voir, le nom de l'auteur qui était Itel est devenu Nokia. Et le modèle qui était Itel IT1508 est devenu un Nokia 02. Donc, vous voyez que les informations ont été bel et bien modifiées. Et donc, maintenant, si vous décidez carrément de supprimer toutes ces informations, c'est très simple. Vous revenez encore dans l'application Photo Excessive Editor. Vous cliquez là-dessus comme cela. Et vous cliquez sur Photo. Et vous cliquez sur la même photo. Ça dépend de vous. Vous voyez? Maintenant que je suis encore dans l'application Photo Excessive Editor, maintenant je viens ici, sur les trois points qui sont en haut à droite, je clique là-dessus et je clique sur Retirer Excessive. Je clique là-dessus. Vous voyez? Dès lors, ici dans cette partie, j'ai la possibilité de ôter ou bien de supprimer les informations que je veux dans les détails de ma photo. Moi, par exemple, je vais décider de supprimer les détails du fabricant de l'appareil photo. Non, je vais laisser ça. Je vais cliquer. Je vais supprimer peut-être modèle de l'appareil.
Je vais cliquer sur le modèle de l'appareil. Vous voyez, je vais cliquer sur le modèle de l'appareil. Et fabricant de l'appareil photo, si vous voulez, je vais cliquer dessus. Vous allez voir, lorsque je vais enregistrer ça, vous avez que les informations concernant ces deux parties-là ne seront plus dans les détails de la photo. Donc, fabricant de l'appareil photo, j'ai coché. Modèle de l'appareil, j'ai coché. Et j'enregistre maintenant. Et dès lors que cela est enregistré, je reviens dans ma galerie. Je clique sur galerie. Et je viens. Je clique sur la photo. Et vous allez voir les informations. Regardez, je viens dans détail. Et quand je clique, vous voyez, ces informations ne sont plus là, elles ont disparu. Vous voyez, les informations de l'auteur, du fabricant de l'appareil photo et du modèle également du portable ont disparu. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Comment est-ce que modifier les informations d'une photo sur Android et ou bien falsifier les informations d'une photo qui a été prise par un portable Android. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne YouTube.